Durant les mois d'été, les bûcherons et les gardes forestiers des Hauts-de-Vosges profitent de la longueur des journées pour associer activités traditionnelles et travaux d'entretien du paysage. Comme tous les ans, Michel Ruth, le chef des gardes de la forêt domaniale de Noirgoutte, organise le grand comptage de tous les arbres. Sapin 45, répétez. Sapin 35. Sapin 35. Je remonte jusque-là. Sapin 50. Ouais. Sapin 50. Sapin 70. Sapin 70. C'est possible de compter tous les arbres comme ça? Eh oui. Eh oui, ça paraît bizarre, mais on peut. Il suffit d'être méthodique. Sapin 50. Vous ne ratez pas. Non, très peu. Celui qu'on va rater, c'est si on casse la croûte au pied d'un arbre, on va être quatre au pied de l'arbre et c'est peut-être celui qu'on va louper. Fayard 25. Fayard 25. Pour compter. Fayard 45. De compter tous ces arbres, c'est intéressant pour connaître la possibilité qu'on va extraire annuellement de production. Pour qu'on connaisse la richesse complète de la forêt. Fayard 35 et 45. Fayard 35 et 45. Et puis c'est à 55. Et puis c'est à 55. Moi, quand j'étais petit, je me dis, bon, ben la forêt ne change pas. Puis quand ça fait quelques dizaines d'années qu'on travaille dans la forêt, on s'aperçoit qu'elle évolue très vite. La forêt, elle a augmenté dans les, je sais plus, je crois que c'est dans les 30 dernières années, elle a augmenté 2 millions d'hectares en France. Donc ça, c'est une erreur fondamentale. Puisque c'est qu'on a de plus en plus de cultures qui disparaissent, la friche s'installe et nous, forestiers, dès l'instant qu'il n'y a plus de pâturage, on nous demande de reboiser. La disparition de l'agriculture au profit de la forêt transforme le paysage vosgien et déplace les équilibres écologiques. Au début de l'été, Robert Guillemin et son frère Barberousse interrompent leur travail de bûcheron pour faucher les prés de la ferme familiale. Il y a les terrains, il faut bien les exploiter. Alors, on le fait. Autrement, c'est sûr que d'ici brève échéance, on sera bien obligé d'arrêter. Ça viendra impossible. Bon, on est deux, du temps que Barberousse est encore là. À deux, on y arrive un côté bien que mal. Autrement, je serai tout seul. Un petit bonhomme comme moi, avec tout le boulot, c'est même toute la volonté qu'on peut avoir, on sera obligé d'en laisser, c'est impossible. Ben on sent que c'est la fin, que l'agriculture, bon gré mal gré, tout ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est quasiment à pure perte. Et la vallée, tu la voyais mieux avant? C'était nettement plus dégagé, parce qu'il y a des plantations qui viennent, comme en bas le pré, là, c'était de la jeunesse qui faisait, je sais pas, 4-5 mètres de haut, maintenant elle en fait 15-20, on verra bientôt plus rien, quoi. Et puis ça se rebouche inévitablement. La forêt, c'est presque la mort, parce que ça fait reculer la vie. Oh, ben, y en a un coup, hein.
l'acier. On regardait aussi à l'acier quand on achetait une rafle. Pendant les vacances, Gilles et Sylvain Mangel sortent la hache et le passe-partout pour retrouver des gestes qui ont disparu de la forêt des Vosges. Alors c'est quoi ce grand cri là? Comment? C'est quoi ce grand cri? C'est le cri pour prévenir qu'un arbre va tomber. Le schlitage est également une pratique qui est tombée en désuétude. Chez nous, on a toujours dit, et mon grand-père disait toujours, la schlit, elle crève l'homme en montant, elle le tue en descendant. Ça, c'est des dictons de Beaugien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Fatigant et très, très dangereux. Tout dépend des conditions climatiques. Dans le temps, quand il y en avait un qui avait fini de charger sa schlit, celui qui avait fini, il aidait l'autre. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Alors, chaque fois, quand on arrive à une descente assez dangereuse, on prend du souffle, on s'arrête un petit peu, on regarde exactement où on doit mettre les pieds, et puis là, on va y aller. Pas besoin d'avoir des bras énormes et d'être très très fort pour faire le métier de bûcheron. Il y a une très grosse part de technique qui fait qu'on arrive à gagner sa vie. Il y a des bûcherons qui ne sont pas des armoires à glace. La force de volonté, ça compte. Beaucoup, c'est surtout ça. Je crois que tout est dans la tête en fin de compte. À l'époque du schlitage, les animaux étaient utilisés pour sortir les bois de la forêt. Aujourd'hui, ils sont remplacés par des tracteurs de débardage. Denis Ferreux travaille avec André et Thierry, ses deux fils. Thank you.
Vous avez travaillé avec les bêtes? Oui. Avec des bœufs, des chevaux? Les deux. Et c'était mieux de travailler avec les bêtes ou avec le tracteur? C'était pas du tout le même rendement, il n'y a pas de comparaison. Ça veut dire. Parce qu'une bête, quand on lui parlait, elle répondait. On n'était jamais tout seul avec la bête. Hein. Ouais. Le tracteur, c'est un transferraille, c'est tout. On peut parler à côté, il ne bougera pas. Hein. Ouais. Que là, la bête, c'était plus... On était moins seul. Mmh. Quand on était tout seul avec ton tracteur et puis une fois. Mmh. Et tout. J'ai mon temps à vous faire débarrer tout à l'heure, vous barrez parce que le bois il est vraiment en équilibre. On peut pas savoir quand est-ce qu'il partira exactement. Ok, on y va, c'est bon, on y va, je barre. Vous allez attendre le champ de cailloux rouler. Hein. C'est incroyable, hein. Vous allez voir ce que je vous dis, on va sentir le silex. C'est dommage que les gens ne pouvaient pas leur faire sentir le silex dans le film, parce que c'est... Non mais c'est pas de la blague, mais c'est bon. Vous verrez le roule comme un roulement de tonnerre, ça fait. Allez, allons-y. Arrêtez. Passe-moi la machine. Jean-Paul Thuriot est l'un des derniers bûcherons à pratiquer le lançage. Cette technique s'utilise sur les versants les plus abrupts, inaccessibles aux tracteurs forestiers. Oh là là! Bon, attends, second, au salaire! Des côtes avec la Pantheon, à côté de la chasse, pour l'instant, il n'y a rien au mur. Hein. Enfin, on n'a pas fini, hein, c'est sûr que d'ici demain, peu dix fois, on aura sûrement des dégâts, mais là, on n'a pas eu ce matin, c'est bien. Ouais. Mais c'est pas fini, hein, on commence seulement. Hein. On va bloquer la route. Attends, hein, qui se met en place, Francis. C'est un monde de voir ça. Il est fait en rouge. Hein? Ah, beaucoup, hein. Tout en bout. Hein. Non, il y a. C'est quoi, hein? C'est juste où ou quoi? Hein? Où quoi? Là? Eh, oh, moi, dis, si les bouches, là, c'est bon, je l'ai. Je vais aller les deux pieds. Oh, attention! Dans la maison, ok? Faut vite venir débarrer. Pas rien, hein? Non, c'est rien. Rien. Il est rentré dedans, hein, tout net, hein? Ah, dans la baraque. Ah, la route est coupée, hein? Ah oui, ben. C'est bon. Voilà. C'est bon, ça va, la route était barrée, c'est bien. Ah, t'as vu, hein? Barrique sur une petite roche, j'arrive à la bouger à la main, la roche, le poisson va, dit.
T'as vu ce que celle-là, ça, je t'aurai jamais sur mille façons, jamais la même. Barberousse, il est où aujourd'hui? À Barberousse, en principe, il doit être à la pêche. Il aime ça et puis c'est un moment favorable avec la lune. Alors, il prend une paire de jours de vacances, de plus. Pourquoi c'est vrai que quand on aime une chose, on n'y regarde pas. La pêche, moi, ça me prend énormément de temps. J'y consacre beaucoup de temps, donc dès l'instant qu'on a la pêche, même si ça ne mord pas, on n'a jamais le temps long. Même si on ne bouge pas, ça reste une activité qui occupe l'esprit. Même si c'est le bouchon est stoïque comme master. Le pêcheur, le chasseur, qui en réalité n'est qu'un prédateur, donc qui se sert un peu de la nature au prorata de ce qui existe, doit pouvoir s'identifier à soit une truite, soit un chevreuil, soit un lièvre ou un sanglier. C'est l'humain qui n'a pas, qui se croit plus malin que la nature, ça n'existe pas, et puis il sera bredouille à tous les coups. Donc il faut se confondre avec la nature, il faut penser truite si on veut à la pêche, autrement bon, c'est la pêche quasiment idiote. Ah, c'est une mauvaise journée aujourd'hui? Ah, tout à fait, oui. C'est pas une touche, calme plat total. Comme quoi... Ah, moi j'arrête, allez, arrête toi aussi, va, t'es pas plus malin que moi. Ah, t'es bon aujourd'hui, pépère. Oui, oui. Eh bien, mon foie, on va boire un canon. Ah oui. Eh bien, on va boire un canon. Je vais en mettre une au frais tout de suite. Eh bien, d'accord. Ça y est. Allez, tu montes? Oui, je viens. Bon, ben, allez. Tout à l'heure. D'accord. Il y en a encore là. Ah oui, pour ça je les envie pas, hein, malgré tout. On est mieux ici. Je préfère être arriéré ici, un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça, c'est pas pareil. Hein. Et tu crois vraiment que c'est le mot arriéré juste? Oui, mais à force de l'entendre dire, parce qu'on arrivera peut-être un jour à être convaincu que c'est vrai. Bien. Oui, donc. Il y a combien de gens qui passent à côté de choses simples puis qui seront jamais hein. Tu vois, la pêche, puis tu bois un coup, tu Et c'est tâches. Quoi ces choses simples? Il n'y a aucune chose simple qui s'explique, elle se vive. Ça se vit, ces trucs-là, ça ne s'explique pas. La pêche, ça ne s'explique pas, ça se vit. Il nous regarde prêt à partir. Hop, une buse qui est passée. C'est bien. Ça, moi, je sais pas, ça me permet de m'épanouir. Il y a des grands espaces, il y a des animaux dedans. Ça veut dire que l'équilibre est conservé. Pour moi, c'est bien. Ça me rend heureux comme ça.
Tu les déranges pas, tu crois? Ah non. Ah non. Il me dérange pas non plus. Qui c'est qui est l'intrus, lui ou toi? Ben, on peut être les deux, enfin lui. A priori, c'est nous parce que... Comme là, je suis dans sa chambre à coucher, presque. Hein. C'est là qu'il dort. Je sais pas si ça me plairait qu'il vienne dans ma chambre à coucher. Bien normalement, ça marche à tous les coups. On va imiter la martre qui grimpe après le tronc, histoire de faire sortir notre petite chouette. Et voilà, à tous les coups, on gagne, elle sort. C'est une copine, ça fait des années qu'elle vient nicher dans cet arbre et chaque année, c'est le rendez-vous. Alors bon, on lui fait la blague, on gratte le tronc et puis elle sort. Ça c'est la parcelle 43. Kilomètres. D'accord. Cette nuit, Vincent Drillon participe au comptage des animaux de la forêt qui permettra d'établir le plan de chasse de l'automne prochain. Recul de 10 mètres. Vas-y, C'est bon. Un chevreuil, une chevrette. Tiens, on les avait. Il faut que la nature soit belle et que tout se passe bien, quoi. Parce que l'homme a peur du drame, quoi. Hein, aussi. Donc, alors que la nature, c'est tout le contraire. Hein. Il y a un renard qui va trouver un nid d'oiseau qui va le croquer. Il y a un oiseau qui va manger un insecte, il y a des insectes qui dévorent les arbres. Il se passe tout le temps quelque chose. Le commun des mortels ne le perçoit pas, mais il se passe toujours quelque chose, de toute façon. Mais c'est aussi quelque chose de joyeux, la nature. Mais c'est tout, c'est tout à la fois. Je veux dire, on y met à la limite les sentiments qu'on veut y mettre. On y trouve ce qu'on y cherche. Si on a vu qu'il y aura envie que la nature soit belle, et effectivement, elle peut être belle. Si on a envie qu'elle soit noire, elle peut être noire. Finalement, ça dépend des sentiments que nous, on y met. Hein. Elle est tout à la fois.